Julie Collot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice et gérante de doudoumalin.com et nous sommes ici à l'ESCP pour la soirée 100 jours pour entreprendre. Doudoumalin, c'est fait pour aider les mamans qui ont perdu les doudous de leurs enfants, c'est ça ? Exactement. Alors, pas que les mamans, pas les parents. Les mamans, hein. Les parents. Exactement. Non, en fait, Doudoumalin, c'est un site e-commerce qui donc vend des doudous de 1 à 10 ans d'ancienneté. Mmh. Donc, comme vous le savez sûrement, les doudous n'ont une durée de vie dans les magasins d'un an grand maximum. Donc après, une fois que le doudou a été adopté et qu'il est perdu ou détérioré, malheureusement, il y a peu de chances de le retrouver. Et en fait, Doudoumalin est la solution. C'est ça, vous êtes en train de vous éviter les drames familiaux. Exactement, tout à fait. Ou du moins, je les aménuise. Oui. Voilà, et donc en fait, nous avons 3000 doudous. Bon, nous sommes en constante progression tous les mois. Vous existez depuis combien de temps ? Depuis 8 mois. Le depuis site 8 mois. Est ouvert depuis 8 mois. Vous êtes combien ? Toute seule. Toute seule pour le moment, d'accord. Oui, toute seule pour le moment. Et donc, tous nos doudous sont répertoriés par marque, puis par collection. Et si vous n'avez pas la marque ou la collection, c'est pas grave. Vous pouvez toujours taper l'animal ou une particularité qu'il aurait. Et vous pouvez trouver, par exemple, tous les lapins bleus. Voilà. Et vous êtes lauréate alors de cette soirée 100 jours pour entreprendre. Même le fondateur de Blablacar a parlé de vous en disant que c'était super, c'est ça ? Oui, alors notamment le fondateur de Blablacar, également le notamment. Jury. J'ai appris là incessamment sous peu que tout le jury avait eu un réel coup de cœur pour mon projet parce que bon, il y avait beaucoup de mamans dans le jury, donc elles ont tout de suite cerné le problème. Elles s'étaient déjà, on va dire. C'est concret pour elle. Oui, voilà, c'est très concret pour elle. Et en fin de compte, bon, c'est vrai que, comme disait justement Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, le mieux, c'est d'avoir un projet qu'on puisse utiliser plus tard. Et clairement, si j'étais une maman, je pense que mon site, je serais bien contente de le trouver et de pouvoir retrouver le doudou. Eh bien écoutez, bravo en tout cas pour ce prix. Je le rappelle, vous êtes Julie Collot, fondatrice et gérante de Doudoumalin. Doudoumalin que vous pouvez retrouver sur le site doudoumalin.com. Merci à vous et à bientôt. Merci.